Et c'est avec cette douce mélodie que je vous salue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. Ça fait quelques temps que nous n'avions pas pris un instant pour s'arrêter sur un mode intéressant. Nous sommes aujourd'hui sur PC évidemment, sur Assetto Corsa pour vous présenter les trois premiers bolides du GT Mode Pack. Ce pack de 6 bolides qui est en cours de développement du côté de chez RSS, Racing Studio, à qui l'on doit notamment la Formula Hybride de 2017. Alors évidemment, c'est un mode payant, vous retrouverez les liens utiles dans la description. Bien entendu, les trois premières voitures sont sorties le 23 décembre dernier au prix unitaire de 3,99€. Le pack complet comprenant 6 voitures sera disponible pour la fin janvier. On ne connaît pas encore les 3 prochaines élues qui reviendront évidemment, comme les autres, j'espère, du célèbre titre GTR2, puisque oui, c'est avec le FIA GT que nous avons rendez-vous, une discipline morte depuis quelques années maintenant, depuis 2010 je crois, où le championnat du monde avait fait son apparition à l'époque. En tout cas, nous sommes à Spa-Francorchamps avec la première des trois voitures. Les trois voitures sont inspirées de modèles réels bien sûr, mais étant vendus, ne sont pas appelés sous la licence officielle. La Ferrari 550 Maranello, ici décorée des couleurs GMB, de la BMS pardon, Scuderia Italia, victorieuse en 2004 aux 24 heures de Spa, n'est pas comprise dans le pack. Vous avez également le lien dans la description pour trouver les différents skins. Alors, que vaut-il ce mode? Eh bien, pour la première voiture, on va parler un petit peu de l'historique de ce bolide. Un bolide qui a été créé en 2000 avec le soutien de Stéphane Rattel, le responsable de SRO et créateur également du championnat BPR pour les plus anciens des années 90. En 2001, Raffanelli, ex-préparateur de BMW en Super Tourisme évidemment, qui a longtemps travaillé avec la marque bavaroise, engage ses voitures en FIA GT tout comme ProDrive également, et cette voiture aura également vu quelques apparitions dans différentes grandes courses à travers le monde, notamment les 24 Heures du Mans en 2003. Je vous le disais, en 2004, victoire avec une femme, la Suisse Liliane Briner, qui s'est donc imposée au classement général, succédant ainsi à la Porsche de Stéphane Ortelli, victorieux sous la pluie l'année précédente. C'est une voiture qui est équipée d'un moteur V12, cette Ferrari qui chante absolument somptueusement. C'est l'une des particularités de ces trois voitures. Constatez par vous-même avec vos oreilles, le son est absolument impeccable. C'est l'un des atouts de ce mode payant qui, je le précise une nouvelle fois, sera proposé en pack, en précommande un peu moins cher. Le total revient à 14,99€ pour les 6 voitures. Alors, ce bolide évidemment a un comportement, un force feedback. Au niveau du force feedback, les 3 voitures se valent, elles sont extrêmement précises. On a exactement les informations que l'on attend dans le volant. L'immersion est très intéressante et surtout, les 3 premières voitures qui sont à notre disposition ont 3 comportements bien différents. Cette Ferrari semble bien accrocheuse et joueuse en sortie de virage, là où la Viper demande beaucoup d'attention au freinage et la Lister Storm se conduit comme un karting. Bref, vous en avez pour votre argent, même si pour l'instant vous n'avez pas l'ensemble du menu. Il faudra vous arrêter au poisson avant le plat de résistance. En tout cas, pour l'heure, c'est une voiture que je pense vous allez être nombreux à apprécier les qualités. Vous avez d'ailleurs pu avoir un onboard il y a quelques jours de cela avec cette voiture sur le circuit de Monza. Et je dois vous avouer que c'est un petit peu celle que j'attendais le plus au tournant, car elle me manque et ça fait 10 ans que GTR était sorti. Et avant GTR3, on espère peut-être retrouver cette voiture dans de meilleures conditions à l'avenir. Mais en tout cas, ici, elle a ravivé de nombreux souvenirs. Et la Tornado V12, inspirée de la Jaguar Lister Storm V12, bien sûr, équipée du moteur britannique 606 chevaux pour un poids d'1,2 tonne sur la balance. Voici
celle que j'attendais le plus, l'une de mes voitures de course préférées. Peu de gens le savent peut-être, mais franchement, quand j'ai vu que cette voiture faisait partie du pack, j'ai voulu absolument la tester. D'ailleurs, je remercie Racing Studio de m'avoir envoyé ce mode pour vous le présenter avec un peu de retard, j'en conviens. Cette voiture donc est très intéressante puisqu'elle a une histoire assez particulière. Il faut savoir que la version route de ce bolide n'a été produite qu'à 4 exemplaires et qu'il n'en existe plus que 3 aujourd'hui. Une voiture sortie à l'époque avec un 6 litres 9 en 93. Il aura fallu attendre 10 ans pour voir son arrivée en compétition avec ce modèle-ci, la GT, qui aura été extrêmement éphémère avec quelques belles performances avec l'usine dont vous avez actuellement la décoration sur la voiture avec notamment des pilotes belges. On pense à David Sterckx qui avait piloté cette voiture en 24 heures de Spa et d'autres pilotes bien connus de la catégorie comme Jamie Campbell, Walter, etc. etc. Cette voiture avait pris part plusieurs années à des championnats de GT à travers le monde, mais ensuite, Lister s'est dirigé vers la catégorie prototype du Mans et a abandonné le développement de cette voiture qui est tombée aux mains d'équipes privées. Il ne faut pas oublier qu'en 2005, la saison a été catastrophique et ça a précipité l'arrêt de l'utilisation de cette voiture faite par de grandes équipes comme notamment le Création Autosportif qu'on a retrouvé plus tard en ALMS et en ELMS avec et en Le Mans Series aussi avec les Créations c'est Proto LMP2. Alors, cette voiture, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, se conduit comme un karting, c'est très joueur. On a des freins qui sont très intéressants parce qu'ils mettent en confiance, mais au moment où la bascule de frein n'est plus idéale, eh bien, vous allez très très vite avoir le petit coup de raquette, notamment ici, voilà où je me suis fait surprendre et la voiture est partie un petit peu à la dérive. Alors, rien de grave, évidemment, ça demande beaucoup de travail, de préparation, il y a pas mal de setups possibles sur ces voitures. Au passage, je vous montre également les différentes caméras du mode qui sont vraiment bien sélectionnées, qui rappellent également les prises de vue qu'on pouvait avoir il y a déjà 15 ans de cela. Mais c'est vrai que cette Lister Storm, au niveau du comportement, est sans doute la plus jouissive parce qu'elle ne demande pas beaucoup d'attention. Je vais dire, on peut plus se faire plaisir. C'est vraiment, comme je le disais, comme un karting. Une voiture vraiment plaisante à conduire avec son V12 extrêmement coupleuse, à l'image de ce que va être également après en présentation la Chrysler Viper GTSR, la Chrysler qui était absolument sensationnelle. On pouvait faire à l'époque beaucoup de choses avec ces gros moteurs V10 et V12, bien sûr. Il faut savoir que ce V12 était l'un des plus gros sur le marché. Je crois que pendant longtemps, c'était le plus gros produit depuis la guerre, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Mes archives me manquent un petit peu, il faudra aller vérifier sur Wikipédia d'ailleurs, ce que je fais toujours après et pas avant malheureusement. Alors ici c'est une voiture qui, vous le voyez, dans son habitacle est parfaitement complet, volant et conduite à droite comme le veut évidemment la marque britannique, et force est de constater que c'est aussi déjà un énorme changement par rapport à ce qu'on a pu voir avec la Ferrari. Le son du moteur, le comportement, l'empattement, la réaction au freinage, le passage en courbe, bref, on a vraiment un comportement totalement différent de la Ferruccio 55. Enfin, the last but not least, la Chrysler Viper GTSR, ici sous les couleurs de l'arbre compétition, évidemment avec cette voiture qui aura également marqué l'histoire de la catégorie GT, cette Vortex V10, donc inspirée de la Chrysler Viper et non pas la Dodge Viper, attention c'est important, développe 652 chevaux pour un poids d'1,2 tonne.
également. Alors, une voiture très intéressante avec un moteur à l'avant comme les autres, mais de nouveau un comportement bien différent. Ici, c'est sur les freinages qu'il faudra porter votre attention lorsque vous la pilotez, car elle est plutôt vicieuse, elle est très très souple. Son moteur permet de belles choses. Vous pourrez faire un tour complet du circuit en quatrième, que cela ne poserait pas de problème. Attention également au niveau du force feedback. J'ai trouvé que cette voiture était un peu plus molle, un peu trop peut-être, et qu'au moment de la récupérer ou d'avoir les informations, eh bien ça pourrait être un petit problème. Alors il y a un petit décalage également au niveau du son. C'est un circuit modé, j'espère que ça va pas trop vous déranger. En tout cas, regardez ce dégagement de flamme absolument somptueux. En tout cas, c'est vraiment superbe cette voiture. On est en caméra embarquée maintenant dans la grande partie de l'oval de ce circuit de Daytona. Et vous le voyez une nouvelle fois, hein, le dashboard également très complet, avec notamment le Motec qui est très très bien réalisé à l'image de ce qu'on avait justement dans GTR et GTR2. Alors cette voiture avait été préparée par Oreca à l'époque, par les hommes Luc de Chenac également, voiture qui a été emblématique pour ses décorations rouges et bleues, notamment aux couleurs de PlayStation, voiture qui a remporté évidemment le FIA GT, mais qui a surtout terminé sa carrière en 2005 par deux titres chez nous, et oui, en France et en Belgique, en Belcar et en FFSA GT. C'était là que la voiture a glané ses derniers titres de son existence. Elle a pourtant participé aux plus grandes courses, donc Daytona, Spa, Le Mans, entre autres, et elle a gagné beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut préciser que cette voiture n'a jamais été officiellement engagée par Chrysler. Ça a toujours été via Oreca ou via des petites équipes comme le PK Car Sport, le Car Sport Hollande par exemple en Belgique ou en France. Donc Oreca, donc l'arbre compétition aussi. Cette voiture a remporté les 24 heures de sport en 2002 avec un jeune Sébastien Bourdais qui allait devenir une icône du sport auto aux États-Unis après d'autres titres en Champ Car par exemple. Donc effectivement, cette voiture a vu pas mal de beau monde passer à son volant et elle a parfaitement sa place dans ce pack. Je vous laisse profiter les amis de la vue un petit peu embarquée, de la vue TV de ce moteur V10. Et on se retrouve pour une petite conclusion sur ce mode avant de se retrouver, je l'espère, dans quelques jours pour vous faire découvrir le reste des voitures le composant. Voilà, j'espère que cette brève présentation des trois premières voitures de ce GT Mode et de Racing Studio vous aura convaincu, en tout cas vous aura plu. Moi, j'espère vous retrouver très vite pour tester les trois autres bolides dont on ne connaît pas pour l'instant la teneur. On espère que ce sera du même calibre. Alors, on peut s'amuser à rêver. Je tenais à préciser aussi quelque chose. Ce ne sont pas des conversions, ce sont bien des modèles 3D qui ont été réalisés par Racing Studio. Parce que certains disent, oui, ils vendent du contenu qui est converti, etc. Non, 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 non. Les modèles 3D ont bien été faits par Racing Studio. D'ailleurs, justement, si vous souhaitez vous renseigner, le lien avec leur site officiel est dans la description. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, investir dans une voiture, donc à l'unité, 3,99€, ou en pack à 15€, qui est réduit, je crois, à 13€ pour le moment, puisque c'est une précommande et que le pack n'est pas complet. Vous aussi, dites-moi ce que vous voulez voir comme voiture de cette belle époque dans la suite de ce pack. Personnellement, j'aimerais bien avoir des voitures de catégorie GT2 ou NGT, comme par exemple la BMW, la Ferrari 430, ou pourquoi pas rêver à d'autres grands bolides, la Corvette C5R, pourquoi pas la Salinas 7R, la Lamborghini Murcielago, bref. Il y a plein de bolides qui peuvent venir compléter ce pack. En tout cas, on compte sur Racing Studio pour réagir comme il faut. Je vous conseille vivement de foncer acheter ce mode si vous en avez les moyens et de le tester de préférence au volant, bien entendu, sur Assetto Corsa parce que véritablement, ajoutez à ça la McLaren MP4, la Maserati MC12, et pas la McLaren MP4, ça n'a rien à voir, qui est déjà sortie il y a quelques temps de cela en pack sur le jeu. Ça nous permet d'avoir une catégorie GT1 absolument magnifique. Pourquoi pas également une Ford GT, ça vient de me revenir, pourquoi pas. Cette voiture avait également été présente à l'époque. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. On reprend tout doucement le rythme des vidéos et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simu favorite. Ciao !